Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On va faire un DIY. Hein? Ça te dit? Je filme dehors parce qu'on va en mettre un peu de partout. Donc j'ai pas envie de salir l'intérieur. Donc je suis désolée par avance si vous entendez d'autres bruits, des oiseaux chanter. Bref, j'espère que le son va être correct. Alors aujourd'hui on va réaliser un DIY que j'ai vu passer sur TikTok plein de fois et j'avais trop envie de tester. Mélodie et Opus vont peindre. Je vous mettrai un des TikTok que j'ai vu passer à l'écran et on va le reproduire. Pour cela vous aurez besoin de tableaux blancs que j'ai acheté chez Action. Donc il y en a deux, c'est parfait, à 2€ je crois les deux. Donc un pour Opus et un pour Mélodie. Parce qu'on va faire tout en double aujourd'hui. Ensuite, il faut de la peinture, plein de couleurs de peinture. Et on va choisir après. Ensuite, il faut des sacs de congélation assez grands pour mettre le tableau dedans. Et ensuite, vous aurez besoin de la nourriture. Donc moi, j'ai pris du fromage et je pense qu'il n'y en aura pas assez. Donc j'ai pris un peu de pâté. Attends, ça sent bon? Ouais. Allez, on va commencer tout de suite. On va ouvrir. Je crois qu'Opus va nous quitter. Opus, tu veux pas rester là? Attends, j'arrive. Après, ça sera à toi de jouer. Après, il va falloir tout lécher. Ouais. J'espère que mes chiens sont des artistes. Voici donc la première toile. Et on va... On commence par Opus ou on commence par Mélodie? On commence par Opus. Allez, on commence par Opus. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme couleur? Et si on fait un mélange de bleu? Ah, je sais pas. Tac, tac. Et si on met un peu d'orange, ça va pas? On va faire ça. Hop! Qu'est-ce qu'il fait? Il passe derrière moi! Qu'est-ce qu'il fait? Mais Loulou! Il est sur ma chaise! Bon, je pense qu'on va prendre ces quatre couleurs. Donc on a du bleu foncé, du bleu clair, du vert bleu clair et du orange. Allez, go! Alors, c'est parti! On va mettre d'abord quoi comme couleur? Punaise, je sais pas, du bleu peut-être. On commence par le bleu. Je pense qu'il faut en mettre quand même beaucoup. Donc on va tester hein. On va passer au bleu clair. Au vert bleu. Oh, par contre il n'y en a pas beaucoup dans ces tubes hein. Et du orange. Je sais pas si ça va faire beau l'orange. Bon, tant pis. Voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va mettre le tableau dans le sac. Attention, j'ai peur de faire n'importe quoi. Bon, après, de toute façon, ça doit se mélanger. Donc, ah, j'ai peur. Attendez. C'est horrible. En plus, il est trop grand le sac. Donc, ah, ça a touché. Non, ça a touché. Non mais j'ai fait n'importe quoi. Ah j'ai fait n'importe quoi. Pop 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 pop. Je veux pas en mettre de partout. Ah. Bon du coup c'est déjà étalé. Eh oui, j'en ai mis partout. J'ai rincé les mains, je reviens. J'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié de mettre la garniture dedans. Oh là là, non mais n'importe quoi franchement. Voilà, j'ai scotché comme ça, ça en met pas partout. Et bah je vais étaler du coup. Mais j'aurais dû le faire avant, j'ai oublié. Bon. Sérieusement, je suis bête. Je vais essayer de pas trop appuyer pour pas que ça gâche la peinture d'Opus. Hein? Voilà à quoi ça ressemble. Et ben on va donner à Opus et on va voir le résultat. J'espère en avoir suffisamment mis sur la toile de la peinture. Et ben voilà, on va tester tout de suite. De toute façon, on a une deuxième chance avec Mélodie tout à l'heure. C'est pour qui ça? Tu veux mon cœur? Tu lèches tout, hein? Tu peins mon cœur. Attends, regarde. Hop! Et tiens! Et voilà le chef-d'œuvre d'Opus. Bon, c'est encore dans le plastique. Mais bon, hein? Mais il n'y a plus rien, nous! Et c'est parti, on va découvrir le tableau d'Opus. Bon, j'espère qu'il va être beau, hein. Hop,
Et je sens qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de peinture et d'autres, bah pas beaucoup, il en manque. J'espère que ça va être beau. Mais bon, vu comme ça, ça a pas l'air d'être terrible. J'ai mon foot partout encore une fois, je le sens. Ah, ça éclabousse. Oh. Ah, je m'en suis mis déjà partout. Faudrait décoller. Mais du coup, ah non, mais oui, du coup ça va pas du tout. C'est horrible. C'est horrible. Voilà le chef-d'œuvre d'Opus. Mais quand j'ai retiré le sac, bah ça accroche, donc je pouvais pas faire mieux. Franchement, je pense qu'on peut mieux faire, hein, parce que là c'est vraiment pas terrible. Bon, passons à Mélodie. C'est parti pour Mélodie. On recommence donc. Je pense que ça peut pas être pire. Et je vais essayer de pas oublier certaines étapes. Donc, j'ai toujours la toile blanche pour Mélodie. Et j'ai choisi du violet, du rose plus clair et du nude. On commence par quelle couleur? On va commencer par le violet. Et j'ai vraiment très peur, hein, parce que c'est pas terrible ce que j'ai fait là. Alors, du violet. Du rose. Il fait des bulles celui-là. Du rose. Et ensuite, on va mettre du nude. Ah, je sais pas, ça va gâcher. Non, je vais pas en mettre. Ça va tout gâcher, je pense. Ah, je sais pas. Est-ce que je mets ou je mets pas? Je mets pas. Je mets pas, je mets pas, je mets pas. Je vais peut-être mettre du blanc plutôt. Bon, du coup, je suis désolée si la qualité est moins bonne ou quoi. Mon appareil photo, il avait plus de batterie, donc je suis passée à mon téléphone. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on voit Mélodie, hein. Bon, franchement, c'est beau. Mais bon, on va pas faire comme tout à l'heure. On va poser ça et on va préparer le support. Non, franchement c'est pas possible. Ou alors le sac il est trop petit, je suis obligée d'en mettre partout et de le faire glisser et que ça frotte, je suis obligée. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup plus de peinture ici qu'ici, mais bon, on va tenter quand même. Ça sent bon ma puce, tu as envie de manger? Allez. C'est parti pour découvrir le tableau de Mélodie. Il se présente comme ça. C'est beau. Non, c'est moche. En fait, peut-être je mets trop de peinture. En fait, j'ai compris, il faut enlever la peinture en trop et je pense que ça va être super beau. Comment en mettre partout? Hop, on va poser ça là. On va encore un peu enlever le surplus. Et voilà ce que ça donne. Bon, franchement, je suis pas super fan non plus au final. C'est très très moche. Franchement, c'est un gros fail. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Désolée si la qualité elle est pourrie, mais il commence à faire nuit. Donc, comme vous avez vu, le DIY, c'est pas fameux, hein. Franchement, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile. Et surtout, je pensais avoir un résultat quand même sympa, quoi. Merci de nous montrer ton cucu, Opus. Franchement, c'était hyper galère. J'ai essayé après, oui, de racler la peinture en trop sur le tableau d'Opus. Et regardez ce que j'ai fait. N'est-ce pas magnifique, un tableau uni, hein? J'ai fait n'importe quoi. Voici le tableau d'Opus. Et ensuite, pour Mélodie, ok. Comme c'était nul aussi, j'ai rajouté du blanc et du rose le plus clair. J'ai tamponné un peu avec un sopalin. Et voici ce que ça donne. Donc, c'est toujours mieux, mais bon, c'est pas non plus super beau. En plus, on voit pas très bien, je vous mettrai ici le résultat. C'est pas très beau quand même, et en plus, c'est triché. Conclusion de cette vidéo, et bah, c'est un gros fail pour moi.
Donc voilà, si cette vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à commenter cette vidéo. Déjà, dites-nous ce que vous en avez pensé de ces tableaux. Dites-nous aussi si vous avez déjà réalisé ce DIY et si vous avez des conseils. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche des notifications et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram, Facebook, TikTok, c'est Mélo plus Paella. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!